une agence de voyage qui, depuis 13 ans, propose une aventure humaine. Donc l'idée, c'est de découvrir nos 16 destinations au plus près des communautés locales, dans un esprit de partage, d'échange, soit en participant à un projet solidaire qui répond à des besoins sur le terrain, ou soit en partageant avec ces communautés le quotidien dans un voyage en immersion. On a été récompensés pour notre programme de réduction carbone. Donc, on était conscients des émissions qui étaient engendrées par notre activité, mais aussi par le tourisme en général. Donc, on s'est approché de Microsol qui nous a permis de mettre en place ce programme qui a un triple impact positif, donc social, économique et environnemental. Microsol, c'est une entreprise sociale qui a maintenant 10 ans et qui développe des projets d'accès à l'énergie en Amérique latine, qui a pour vocation de lutter contre la pauvreté et le changement climatique. Alors avec Double Sens, on travaille depuis 2017 sur le programme Bon Sens Carbone. Ce qu'on veut éradiquer, c'est l'utilisation des techniques de cuisson traditionnelles qui dégagent beaucoup de fumée. Nous, en fait, ce qu'on installe, ce sont des cuisinières améliorées qui contiennent du coup une chambre à combustion et une cheminée qui permet d'évacuer les fumées à l'extérieur de leurs habitations. Ça permet également de réduire la consommation de bois et de donner plus de temps aux femmes et aux enfants, puisque c'est souvent eux qui s'occupent de la collecte du bois pour vaquer à leurs occupations académiques ou professionnelles. Avec le programme Coliconcha au Pérou, on a installé maintenant près de 150 000 cuisinières améliorées qui contribuent à améliorer la vie et les conditions de vie de près de 600 000 bénéficiaires. Pour nous, postuler pour ce prix-là, c'était de valoriser notre parcours, c'était aussi de légitimer notre approche avec une distinction qui est reconnue par nos pairs et par le public.